mes amis je vais essayer de trouver un meilleur endroit pour me garer il y a un automobiliste qui est venu juste à côté puis il laisse son moteur tourner donc on va entendre ce bruit au montage alors je vais vous raconter quelque chose je vais vous raconter une histoire liée à l'aviation au monde de l'aviation ainsi que sa relation peut-être un peu trouble avec la fatigue des matériaux faut savoir que l'histoire de la fatigue des matériaux n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Si vous revenez en France, 1842, il y eut un crash terrible, un accident de train. C'était une des grandes catastrophes de l'époque. Près de 200 morts. Ça a tué d'ailleurs l'explorateur Dumont d'Urville et toute sa famille. Et en fait, que s'est-il passé à l'époque? On mettait les passagers dans les trains, n'est-ce pas Et puis, on enfermait les portes. On les, enfin, on les enfermait dans les wagons, tout simplement. Les passagers étaient enfermés. Et puis, euh, le train roulait. Il était entraîné par euh, deux locomotives. Et il y avait à peu près 16 à 18 euh, wagons de passagers. Bon, C'était un dimanche. Et il y avait à peu près 800 passagers qui avaient pris place dans toute dans tous ces dans tous ces vacances. Que s'est-il passé À un moment donné, vers Meudon, donc ce train qu'on appelait le Versailles-Paris, il allait vers Paris. Vers Meudon, que se passe-t-il Une des locomotives voit un de ses essieux se casser et après cette fracture, la locomotive déraille, les wagons derrière donc bousculés les uns derrière l'autre, vont dérailler également, très rapidement le convoi va prendre feu et les personnes ne pourront pas en réchappé. Que se passe-t-il On a à peu près 200 morts. Le nombre exact de morts est variable selon les sources. Un peu plus tard, on construira une chapelle Notre-Dame des Flammes qui a été classée en France aux monuments historiques et elle a été rasée par la suite. Les premiers, les premiers textes, les premiers éléments sur la fatigue des métaux, la fatigue des matériaux en général, on va les trouver publiés à l'École Polytechnique en France vers les années 1830. L'aviation qui d'habitude est à la pointe de la technologie, à la pointe de la science, elle va faillir, elle va faillir misérablement sur ce point-là. Faut attendre les années 1950. Nous sommes plus de 110 ans après cet accident du train de Versailles qui a montré que les matériaux ne peuvent pas être évalués uniquement par rapport à des charges statiques mais que la même charge statique, le même effort, appliqué cycliquement, répétitivement, au même objet, eh bien, il finit par le casser. Même si au départ il y résiste, avec le temps, il finira par se casser. D'ailleurs, l'industrie a très bien compris, a même trop bien compris ce phénomène, elle a utilisé à mauvais escient pour ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire qu'on fabriquait les objets en tenant compte... De la fatigue des matériaux pour qu'à un moment donné, ils se casse entre les mains du consommateur et que ça l'oblige, n'est-ce pas, à en racheter d'autres. Alors, on arrive au milieu des années 50 et on a l'avion britannique de Havilland Comet qui va commencer à exploser en plein vol, tout seul. Il va exploser, éparpiller du métal et des passagers sur des kilomètres carrés. Ça, s'est arrivé en croisière et c'est pas arrivé qu'une fois ou deux une analyse poussée des, euh, euh, en réservoir ils ont mis un, ils ont mis un comète dans un réservoir et puis ils ont commencé à le soumettre à des cycles de pressurisation dépressurisation et puis au final il a fini par éclater et s'ouvrir euh, sur une bonne distance expliquant ce qui est arrivé à ces vols alors là l'aviation fait semblant de découvrir la fatigue des matériaux qui n'était pas une no nouveauté sur le plan technique il faut attendre les années 60 pour que cette, euh, cette, euh, ce phénomène soit inclus dans les différentes lois de certification des nouveaux appareils. Mais les appareils construits avant les années 60, en général, n'incluent pas euh, une, une, une analyse sur la fatigue des matériaux. On parle uniquement d'une analyse statique. On le soumet à un effort constant, statique, et puis s'il tient cet effort-là, sur l'instant, sur le moment, on valide. On tient pas compte des turbulences, on tient pas compte de la circulation sur une, sur une piste endommagée, on, on tient pas compte de ces choses-là, on tient pas compte de la durée qui passe, même le temps qui passe, on n'en tient pas compte. C'est une manière quelque part parce qu'il faut savoir que l'aviation dans les années 60, elle a fait un petit peu cette découverte enfin une redécouverte en grande pompe de la fatigue des matériaux. En réalité, bon il faut dire une chose, il faut dire là que la réalité, c'est que l'aviation a tenté d'éviter de rajouter dans le cahier de charge des certifications la fatigue des matériaux. Parce que tout simplement, c'était trop compliqué et trop coûteux et ça prenait trop de temps à démontrer. Voilà la réalité. Très souvent, on va retrouver entre les, entre les différentes industries et leurs autorités de tutelle, on va trouver parfois une, une forme de relation assez, assez perverse. Prenons le monde de la finance par exemple. Dans le monde de la finance, si vous vous rappelez de l'histoire Enron, la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis, elle a entraîné avec elle le cabinet d'audit Arthur Anderson. Pourquoi Parce que Arthur Anderson, qui normalement était censé être euh, un cabinet d'audit indépendant qui devait valider les comptes de cette compagnie, eh bien, pendant des années a validé de la fraude. Il a mis son stamp sur de la fraude pure. Quand Enron a coulé, Arthur Anderson a coulé avec. Si vous regardez l'histoire Bernie Madoff, pareil, ses comptes étaient audités par une société qui a coulé, dont le gérant a pris deux ans ou un an de prison, je me rappelle plus exactement. C'était aussi Ernest Young, s'est retrouvé aussi devant les tribunaux parce que les auditeurs mettaient leur stampe un peu n'importe comment, et on le trouve dans toutes les industries. Vous le retrouvez dans l'industrie bancaire, où, par exemple, on a le petit retraité qui va déposer 800 euros au guichet, et on va lui dire Oui, mais il faut remplir des formulaires, parce que vous savez, monsieur, on est dans le monde en poste en septembre, il euh, y a fine, euh, euh, nous, en tant qu'institution, qu on doit faire gaffe, on a une obligation légale de faire attention au, au blanchiment d'argent. Et il y a des gens, on leur a sorti ce discours pour 250 euros. Alors qu'en même temps, on a régulièrement. Des, euh, on a régulièrement des, des scandales où on réalise que des, des fois des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards de dollars sont passés par des banques sans que personne ne s'en émeuve, alors que c'est de l'argent sale, techniquement parlant. Toujours est-il que nous allons parler d'une compagnie aérienne qui a été créée dans les années euh, au sortir, presque au sortir de la Première Guerre mondiale, Charles Airways. Sharks Airways a été fondé par un gars qui s'appelait Arthur Chalk, Arthur papi Chalk. Certains l'appelaient papi parce que c'était un vieux monsieur à un moment donné qui était, qui était devenu une sorte de... Euh, il venait dans la compagnie aérienne qui lui appartenait plus et puis il distribuait des croissants et des gâteaux à tout le monde. Mais toujours est-il qu'en 1917, toujours jeune, Monsieur Chalk va créer une compagnie aérienne. c'est Une compagnie qui va euh, dans le but, hein, elle est basée à Miami, Floride, et le but de cette compagnie, c'est de désenclaver les îles des Caraïbes. Il y a plein d'îles. Et puis lui, ce qu'il veut, c'est ces îles, comme elles n'ont pas nécessairement des aéroports en dur. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des avions, des hydravions ou des avions amphibies, qui peuvent, qui peuvent poser sur l'eau, mais qui peuvent aussi poser sur des pistes, le cas échéant. Et puis aller faire du business entre ces îles-là. Sa compagnie va très bien fleurir dans une Amérique post-guerre une amérique frappée par, par des crises économiques terribles frappée par la prohibition la compagnie de m chalk marche parfaitement et pourquoi c'est que ces avions qui rentraient des caraïbes là bas ils étaient pleins de whisky et d'alcool et de, et de rhum de jamaïque donc les autorités savaient mais personne ne s'en émouvait outre mesure comme on dit la compagnie, dans les années 40, va acheter des Malars, des avions, des Grumman Malars. Ce sont des, des avions amphibies entraînés par, qui ont deux hélices, entraînés par des moteurs à piston. Et donc, il va les exploiter depuis euh, la Rade euh, à Miami, où ils vont décoller sur une, entre guillemets, une piste sur l'eau. Hein, tout simplement une étendue d'eau réservée. Aux avions ils vont décoller de là puis aller faire des sauts de puce entre les diverses îles transportant passagers courriers et tout ça dans la dans les années 75 monsieur chalk et commence à trager et il fait quoi il vend sa compagnie cette compagnie va changer de main beaucoup de personnes vont beaucoup de businessmen vont l'acheter puis la revendre dans le cadre des fois de de, de package contenant de nombreuses entreprises c'est ainsi que à un moment donné durant les années 90 elle va appartenir à un businessman de la côte est qui est très actif euh, euh, qui est très actif euh, en Floride qui d'ailleurs deviendra plus tard président des États-Unis Donald Trump mais au moment de l'accident où je vous parle elle ne lui appartenait plus pour être clair dans les années 80 alors que ces malards, ces avions, ces hydravions ou avions plutôt amphibies commencent à aller vers leurs 40 ans et que normalement on devrait, on devrait être en train de parler de peut-être les retirer, hein, peut-être arrêter de les exploiter, les renouveler, acheter d'autres avions. Au contraire, la compagnie décida de les moderniser et de leur redonner une nouvelle vie. Alors. Avec l'accord de la AFA, donc leur autorité de tutelle, ils vont faire quoi Ils vont remplacer les moteurs. Les moteurs à hélice devenant trop voyants, hein, devenant trop bruyants, trop chers à maintenir, peu performants, on décide de les retirer. Et on les remplace par deux turbines et c'est ainsi que le Malard va devenir le Turbo Malard. Il va rentrer dans l'air de la turbine, toujours entraînant cette turbine entraînant des hélices. Le nombre de sièges va passer de 10 sièges, va passer de 17. On augmente le nombre de passagers au passage, on augmente aussi la masse maximale au décollage. Normalement, un tel changement aurait dû exiger une recertification en profondeur selon les règles d'usage au jour justement où on a Implémenter cet upgrade. Alors, l'AFA va faire un truc absolument ahurissant. C'est pour ça que je parlais d'un run au début de la vidéo. L'AFA, qui est l'autorité de tutelle aéronautique, va utiliser une clause dite d'antériorité. Et elle va donc dire aux exploitants du malard, écoutez, on vous permet de refaire la certification sur les règles qui étaient en usage en 1947 lors de la construction de ce turbo malard. Enfin, de ce malard, le turbo viendra après. Ces règles qui étaient en place en 1947 étaient fondées sur une mise à jour de la loi datant de 1944. Ça veut dire qu'en fait, on va faire deux choses. On va éliminer des décennies où l'aviation a évolué, où la technologie a évolué, où on a pris conscience d'un certain nombre de choses, parfois comme l'histoire du comète l'illustre amplement, parfois avec des... On a payé en vie humaine pour apprendre ces choses-là. Tout cela sera effacé d'un coup de stylo. Autre chose qui sera introduite par ce coup de stylo, c'est en fait le malin deviendra un avion éternel. Parce que... En 1944, on faisait des certifications basées uniquement sur des charges statiques. On ne, on ne faisait pas d'audit sur des charges variables. Il n'y avait pas de concept de fatigue des matériaux. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Donc, vu que la FAA permet au turbo-malard, de se soustraire aux lois qui sont arrivées dans les années 60 et qui exigeaient la démonstration d'une résistance à la fatigue, eh ben cet avion quelque part va rentrer dans l'éternité. On pourra l'exploiter pour toujours tant que l'AFA dira, écoutez, du moment que les lois de 1944 s'appliquent, ben vous continuez. Ok. On fait un petit fast forward, nous sommes au début des années 2000, l'avion va vers ses 60 ans. Il continue à être exploité et il n'y a aucun signe qui montre que la compagnie voulait arrêter cette exploitation-là. Donc, à un moment donné, il commence à montrer des signes de faiblesse qui se manifestent de la manière suivante. C'est que si vous regardez cet appareil, il a donc une aile haute, n'est-ce pas, sur laquelle sont accrochés les turbopropulseurs et les hélices. Et à l'intérieur de l'aile, il y a des réservoirs. Alors, ce ne sont pas des poches ou des réservoirs distincts de la structure de l'aile. C'est plutôt la structure de l'aile par ses longerons, par ses feuilles de métal qui constituent l'extrado, la partie supérieure de l'aile, et l'intrado, la partie inférieure de l'aile. Tout cela forme des caissons vides à l'intérieur et étanches qu'on va remplir de carburant. À un moment donné le carburant commence à fuir de l'aile. Et là, on ne parle pas d'une fuite ou deux. Les fuites deviennent très régulières. Il est connu pour ce type de réservoir que si les fuites commencent à devenir récurrentes, c'est que probablement ça cache un défaut structurel de l'aile. Pourquoi Parce que si l'aile a un problème structurel, qu'elle commence à se fragiliser, elle commencera probablement à se fléchir en vol plus que de raison. Elle commencera donc à tirer sur les différentes feuilles de métal qui la constituent. Et à un moment donné, elle peut casser des joints. Elle peut faire des ouvertures, faire des fissures dans les réservoirs qui vont commencer à pisser de l'essence. Les pilotes signalent cela au service de maintenance. Et le service de maintenance, ils font quoi ben, Ils envoient toujours un technicien avec un système de pistolet qui permet un petit peu le même système que vous utiliseriez pour, pour l'étanchéité d'une baignoire ou d'une douche. Et puis, ce qu'il fait, le technicien, c'est qu'il va installer un nouveau joint étanche, re remplir le réservoir et dire c'est bon. L'appareil décolle, il revient un peu plus tard, ça pisse encore, on enlève le joint et on le refait. Au plus haut de ces incidents... Ils ont eu, tenez-vous bien, six fuites de carburant en cinq jours. Ça veut dire que littéralement, c'était chaque fois que l'avion revient, il pisse le carburant sans que rien ne puisse l'arrêter. Les pilotes commençaient à interpeller les responsables de la compagnie, à leur dire quelque chose ne va pas. Et quelque chose ne va pas non seulement avec cet avion, mais avec la compagnie en général, la maintenance, il y a des pilotes qui disent, quand ils voient un problème avec un appareil, ils doivent des fois le signaler 10-15 fois pour qu'il soit réglé. Parfois, les mécaniciens mettaient dans leur rapport tel problème est réglé, juste pour que les pilotes redécouvrent, au bout d'une demi-heure de vol, que le problème, que rien n'a été réglé. Alors, il y a un pilote par exemple, qui, on est un an avant le crash, on est en 2004, au mois de janvier, il connaît une panne moteur. Son avion connaît une panne moteur. Ça peut arriver. Il pose, le moteur est réglé, réparé, tout cela. Un mois plus tard, au mois de février, re moteur. Cette fois-ci, il a peur. Il fait demi-tour, revient atterrir. Il va au service des ressources humaines. Il dépose sa démission et il ne revolera plus pour cette compagnie. Un autre pilote. Commandant de bord commence à hausser le temps. Il écrit une lettre de cinq pages à la hiérarchie, leur montrant toutes les, tous les problèmes de maintenance qu'il y a sur les appareils. En réponse, on lui dit qu'on va prendre des mesures, des mesures très sérieuses contre lui. On lui parle de mise à pied et on lui parle aussi de le downgrader hein, de, euh, de commandant de bord vers copilote de lui enlever son titre de commandant de bord. Il fait quoi pour éviter cette issue infamante pour tout pilote Qu'est-ce qu'il fait Il quitte la compagnie. Et ainsi, plusieurs pilotes vont avoir peur de ces avions-là qui commencent de plus en plus à ressembler à des épaves volantes, frappées par la rouille, frappées par la corrosion, frappées tout simplement par l'âge. Nous arrivons au 19 décembre 2005. On a un vol qui doit partir de Miami. Au commandant, on a un commandant de bord. Elle a 37 ans. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle travaille de, Elle dort le soir à 22h30 en prenant des somnifères. Elle se réveille à 4h30 du matin et elle fait jusqu'à 10 vols par jour. C'est des vols très courts. On parle de vols, une demi-heure par-ci, un quart d'heure par-là, 20 minutes par-ci, entre des îles, entre des plages. Donc, à sa droite, il y a. Un copilote de 32 ans et avec eux, ce jour-là, vont embarquer 18 passagers. Pourquoi 18 Alors qu'il y a 17 sièges, bah tout simplement, il y a 15 adultes et il y a 3 enfants que, qui ne sont pas nécessairement comptabilisés de la même manière et qui s'assoient, qui n'ont pas besoin de leur siège, qui s'assoient donc sur les genoux des adultes. Cet appareil, qui avait près de 60 ans à ce stade, qui était certifié selon des règles de 1944. Quand les passagers montent dedans, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que non seulement ils sont en train de d'embarquer dans un appareil antique, on n'est plus dans le classique, on est réellement dans l'antiquité. C'était un appareil qui, qui aurait mérité d'aller dans un musée, qui aurait mérité d'être mis sous verre, mais pas un appareil qui devait être exploité. Mais ce que les passagers, je disais, ne réalisaient pas, c'est qu'en montant dans cet appareil, c'est comme s'ils embarquaient dans une machine à remonter le temps. Ça veut dire que, en termes de sécurité, en termes de procédure, en termes de science, en termes d'évolution de l'aviation, ils étaient réellement en 1944, alors que nous sommes, le calendrier en tout cas affiche décembre 2005. Les pilotes mettent les gaz le long de cette piste marine, altitude zéro longueur 5000 mètres, ils accélèrent, arrachent l'avion au flot, entament leur montée, et là, une minute après le décollage, les caméras de surveillance, les gens sur les plages, commencent à voir quelque chose de bizarre. Ça veut dire qu'en fait, il y a une flamme dans le ciel, une sorte d'explosion, et ce qu'on voit, c'est ce que les gens enregistrent, c'est deux choses. Il y a l'avion qui tombe. Il y a un avion auquel il manque une aile qui est en train de tomber. Et puis ce qu'il y a, c'est une aile en feu qui est en train de tomber plus lentement. Les ailes de par leur aérodynamique ont cette tendance de tomber un peu plus lentement que le reste. Tout finit dans l'océan. Immédiatement, il y a des maîtres-nageurs qui vont démarrer avec des jet skis, qui vont aller sur site. Il n'y a plus rien à sauver. Un peu plus tard arrive un avion, des gardes, un hélicoptère, un eurocoptère, des gardes-côtes. Il arrive aussi sur site. Tout le monde est mort. Euh, l'eau, c'est comme du béton. Quand un avion s'écrase sur l'eau, la force, la vitesse fait que l'avion est déchiqueté, que l'impact est équivalent à un impact similaire sur du dur, sur du sol. Tout le monde est donc mort. Et l'enquête commence. Quand le TSB arrive. Ils vont commencer à analyser l'aile, ils vont commencer à regarder un petit peu les éléments de structure. Et là, ils réalisent que l'aile était cassée à l'intérieur. Il y avait des brisures à l'intérieur. Et ces brisures d'éléments de structure ne dataient pas d'il y a quelques jours ou quelques semaines. Mais comme le dit le rapport d'accident, ça datait d'il y a quelques mois, voire quelques années. Pourquoi Parce que quand ils les analysent, au microscope, ils vont voir que ces, ces parties cassées ont frotté les unes contre les autres pendant très longtemps, qu'elles ont été exposées à des solvants, qu'elles ont été exposées à de la corrosion sur la partie intérieure. Donc, c'est pas possible que ce que soit des brisures fraîches. C'est quelque chose qui datait d'un bon moment. Ils trouvent aussi des réparations, des réparations. Complètement infructueuse, des réparations niveau amateur. Euh, Quelqu'un, les techniciens avaient vu pendant longtemps que cette aile était en train de se casser. Ils ont vu qu'il y avait des fissures qui naissaient un peu partout. Et en montre, ils voient, le 1TSB trouve que ce qu'on faisait à ces fissures, c'est tout simplement, on les arrêtait temporairement avec une perceuse. On mettait un trou qui arrête la fissure. Mais un peu plus tard, ben, la fissure, elle passe au travers de ce trou et elle continue à se prolonger. Donc, qu'est-ce qu'on fait On y va avec une autre, avec une autre mèche, et on perce encore et encore cette technique d'utiliser des trous. Elle est bien connue. On l'utilise souvent sur des éléments en plastique. On l'utilise sur des caches, des choses comme ça, où on met un petit trou pour empêcher la progression des fissures. C'est pas quelque chose qu'on utilise, et en tout cas pas de manière répétitive sur des éléments de structure, parce que là. On est en train de transformer un élément de structure en planche à timbre, littéralement. Donc, le NTSB et la FARA vont commencer à analyser les autres malards, les autres avions. Et ils vont trouver qu'ils sont tous dans un sale état. Quand on regarde à l'intérieur, au-delà de la peinture, au-delà de la décoration, à l'intérieur, ils sont frappés par une corrosion avancée. Et n'importe lequel de ces avions était sur le point de... Se casser en vol à tout moment. C'est seulement là que la FAA va prendre la mesure de la situation et elle va sortir une directive de navigabilité où elle va demander aux propriétaires, aux exploitants d'avions de type Malard de démontrer avant le prochain vol que ils ne pourront pas se casser, qu'ils ne vont pas se casser tout seuls. Bien sûr, la directive de navigabilité ne donne pas de technique, ne n'explique pas comment on va prouver cela à la, à la satisfaction de la faa. la réalité, c'est que cette directive de navigabilité va bloquer au sol, ou bloquer dans l'eau les avions de ce type. ils ne pourront plus voler. il faut savoir que même avant ce crash, le département des transports, le dot, département des transports américain, s'était inquiété de cette compagnie. c'était inquiété de l'irrégularité des vols, c'est-à-dire c'est une compagnie qui était censée être faire du vol régulier, et le département des transports était très inquiet de son fonctionnement et de sa santé financière. Pour vous dire que tellement l'AFA a fermé les yeux qu'il a fallu une autre autorité qui intervienne pour dire il y a un problème. En fait, une des raisons pour laquelle... Cette compagnie s'accrochait à ses vieux avions pourris pour laquelle elle ne pouvait pas faire face à ses obligations de maintenance, c'est qu'elle était en faillite larvée. D'ailleurs, le crash a eu lieu à la fin 2005 et en 2007, la compagnie mit définitivement les clés sous la porte. Et ce qui est triste, c'est que ce n'était pas une compagnie d'amateurs, ce n'était pas une compagnie née hier, c'était une compagnie qui était parmi les plus celle qui avait été créée il y a le plus longtemps. C'était la compagnie, la plus vieille compagnie au monde au moment de sa fermeture. Elle avait été créée en 1917. KLM a été créée un an ou deux après, qui est aujourd'hui la plus ancienne compagnie. Mais pour dire que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie du paysage de la Floride, si vous regardez euh, la, la série Miami Vice euh, dans les années 80. Vous voyez que parfois dans le générique, on voyait un, un turbo-malard atterrir. C'était réellement... Cette compagnie, même si elle est inconnue en dehors des États-Unis, peut-être même en dehors de l'État de Floride, faisait partie réellement de la culture et du décor local. Voilà mes amis. Merci d'avoir écouté cette, cette vidéo jusque-là. Et puis, faites gaffe à la fatigue des matériaux.